Belgacom neemt je mee. Afgelopen zondag werd de trofee uitgereikt voor de profvoetballer van het jaar. Al wie naam heeft in het voetbal was op de afspraak op de Heysel. Er waren drie topfavorieten. Thomas Vermaelen van Arsenal en Romelu Lukaku en Mark Boussoufa van Anderlecht. Dat is Mark Boussoufa die niet geheel onverwacht met de trofee naar huis keert. J'espère que ça fait vraiment du bien au club parce que c'est vraiment un mérite pour toute l'équipe et pour les entraîneurs, le staff, les joueurs et surtout comme on dit le président M. Van Osbeek. J'espère que ce titre ça leur fait vraiment plaisir. C'est vraiment le collectif et je marque pour le club de mon cœur et vraiment ça me fait vraiment plaisir. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est que tous ceux qui ont reçu un prix, c'est que surtout ils ont parlé du collectif et je crois que c'est ça le plus important au Sporting cette saison. C'était que c'est tout le club qui a travaillé pour avoir ce 30e titre. Je ne vous cache pas que si pendant toute la saison vous prêchez le collectif et l'importance du groupe, la solidarité, quelque part une récompense individuelle me met mal à l'aise certainement en tant qu'entraîneur. Je dois vous dire qu'après le couronnement de Mark Boussoufa comme meilleur donneur d'assist et de Romelu comme meilleur buteur il y a un mois ou deux. Je les ai appelés chez moi, je leur ai dit félicitations, tant mieux. Ce sont deux joueurs qui ont amené beaucoup de plus pour l'équipe. Mais d'un autre côté, c'est aussi le fruit de tout un travail de groupe. Ariel Jacobs est venu à Anderlecht, on disait que j'avais engagé mon ami. C'était tout à fait faux. C'est quelqu'un que j'apprécie pour son professionnalisme. Et je savais que c'était le style d'entraîneur qu'un club comme Anderlecht a besoin. Et il a amplement prouvé ses qualités. Je suis très content pour lui qu'enfin il a quand même aussi un trophée individuel, même si je sais qu'au fond de lui-même, c'est surtout toujours le team et l'équipe qui pour lui est le plus important. Mais c'est vrai qu'on fête beaucoup. Heureusement qu'après ça, dans 2-3 jours, les joueurs partiront en vacances et qu'ils reviendront dans un mois, j'espère. Parce que c'est vrai que faire la fête, ça demande quand même beaucoup d'énergie. La prochaine étape, c'est d'essayer de se qualifier pour la Champions League et d'être un ambassadeur digne du football belge.